L'Agence parisienne du climat a été créée à l'initiative de la ville de Paris. Son objectif est de porter la dynamique de la lutte contre le changement climatique sur l'ensemble du territoire parisien, avec un certain nombre de partenaires qui sont tous mobilisés autour de ce projet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020, d'avoir 25% d'efficacité énergétique et 25% d'énergie renouvelable dans la consommation du territoire parisien. Alors, le chantier copropriété est un chantier majeur sur Paris, avec plus de 42 000 copropriétés. Si on veut réussir les objectifs du plan climat, il faut réussir les objectifs sur la copropriété. Nous nous sommes organisés avec une équipe de 9 personnes qui sont à la disposition de ce chantier, avec deux objectifs. Un objectif d'abord d'accompagner des copropriétés depuis la sensibilisation, l'information, jusqu'à la réalisation d'un diagnostic et puis jusqu'à la phase travaux. Nous sommes fixés comme objectif d'en accompagner par conseiller à l'intérieur de l'agence une centaine de copropriétés à partir de la fin 2011. Et puis pour compléter cela, notre objectif c'est d'arriver à construire des outils, des dispositifs d'information, des relais avec nos partenaires pour pouvoir démultiplier cette action sur l'ensemble du territoire parisien. Très simplement, il s'adresse à nous en nous contactant à travers notre site internet, donc www.apc-paris.com, en expliquant sa situation, où il en est de sa réflexion par rapport à la question énergie. Ensuite, un conseiller prendra contact avec lui et regardera effectivement les informations dont il a déjà connaissance, les informations qu'il doit chercher et voir s'il y a un véritable projet qui peut être monté avec ce copropriétaire. Ensuite, en fonction de effectivement là où il en est de sa réflexion, le conseiller qui sera à son écoute pourra construire avec lui le cheminement qui lui permettra peut-être de faire appel à un diagnostic, de venir présenter l'intérêt de ce diagnostic ou de ces études en assemblée de copropriétaires s'il est besoin, et puis de l'accompagner ensuite dans toute sa démarche jusqu'à ce que l'on espère la phase travaux, qui est quand même l'objectif final de notre action.